Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur un nouvel épisode de Starbound V5 Glad Giraffe. Donc chers amis, cette fois-ci nous allons faire cette salle-ci. Pour ce faire, j'ai récupéré, comme vous allez le voir ici, hop, le wiring station. Holy. J'ai pas pu récupérer ça, il a forcément, vous vous en doutez. D'ailleurs, j'irai peut-être faire un tour dans le prochain épisode. Entre les deux prochains, enfin, entre cet épisode et celui le prochain, pour voir si je peux pas trouver Sail à reposer ailleurs. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, on verra. Ici, je cherche Danger, Vertical Danger Sign. J'en prends un paquet. Horizontal Danger Sign, j'en prends un paquet. C'est pas grave, hein, le problème. Hop, voilà, ça j'en prends deux. Ça j'en prends deux. Ok. Déjà ça, c'est fait. Hop. Crac. Bon, alors. J'ai envie de faire de cette zone, en fait. Cette zone deviendra, sera, tout ce que vous voulez. Hein, vous voyez, vous pensez à ça comme, enfin, vous le dites comme vous voulez le dire. Une zone, en fait, dans laquelle je ferai mes différents essais, de wiring, tout simplement. Si on veut faire ça bien, il faudra le faire vraiment bien, par contre. Ce serait cool. On risque d'avoir des emmerdes au niveau du sol. Donc, alors. Ok. Le problème étant que je ne peux pas... Enfin, qu'il y a des limites, en fait. Des limites à ma connerie, il n'y en a pas, mais au jeu, il y en a. Hop, hop, voilà. Hop. Hop, voilà. Par exemple, là, je rencontre une limite. Hop. Voilà, là par exemple, vous voyez, il y a un semblant de symétrie. Donc là, ça me plaît déjà un peu plus. Hop. Et donc le dernier truc, voilà, ici. Normalement, il est centré. Il est centré. Parfait. Donc en fait, là, ce sera la zone où je ferai tout simplement mes tests. Hein. Rien de plus compliqué. Je prendrai mes trucs ici et je ferai mes tests ici. Pas besoin de beaucoup plus de place. Après, ça dépend comment on s'organise. Donc voilà. Mais sûr, il nous faudra de l'éclairage. Alors pour ce faire, normalement, j'aurais pu trouver ici. Red. Normalement. Allez, peut-être pas le trouver. Hein. Green Red Light. Putain. J'ai la version verte. Je savais même pas qu'elle existait en version verte. Alors juste pour voir, si je mets light. Ah. Alerte, alerte, alerte light, alarme. Alors il y en a une qui a fait du bruit. Celle-là est toute petite, c'est celle que je voudrais en fait. Et normalement l'autre est super grande et elle fait du bruit. Par exemple. Juste pour faire le test. Moi j'entends pas grand chose, faut que je remette la musique. Voilà. Alors. Voilà. Hop. Donc on entend de la musique, c'est chiant. J'ai pas envie de la voir. Celle-ci normalement fait pas de musique. Ah! Elle en fait encore plus! Bon bah. Bah on mettra à la petite alors. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Light, je pensais qu'elle en ferait moins, c'est marrant. Voilà. Ce que je peux peut-être même faire, c'est... Histoire que tout le monde soit au courant qu'il y a une alarme, hein. De toute façon, si ça doit faire du bruit, autant que ça en fasse un paquet, hein. C'est là qu'est le dilemme. Hein. Je vais pas m'emmerder s'il n'y a pas de raison.
Hop. Voilà. Dommage que je puisse pas la mettre comme je veux. Alors je la mets juste comme ça peut-être. J'enlève celle-ci. Hop. Et je dis qu'à partir du moment où il y a quelqu'un dans le coin, tout sonne. Mince. Hop. Pareil de ce côté-là, du coup. Mince. Alors. Voilà, on va tout remettre dans le même ordre maintenant. Normalement. Vous voyez? Les petites sont plus rapides. Marrant ça. Comme si c'était l'échelle qui faisait que. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Au niveau de la lumière. Alors, toujours. Je pourrais même le mettre un peu plus bas. Est-ce que ça fait pas un peu plus bricolage, je trouve, comme ça? Peut-être un petit peu. Puis au pire, si j'ai besoin de quelque chose entre les deux, je pense que j'ai la place pour mettre ça. Là, ça fait comme une espèce de petit, plus petit rayon, c'est cool. Non, j'aime bien. C'est pas si moche que ce que je pensais. Bon, bah parfait. Maintenant. Maintenant. J'aimerais quelque chose qui nous sert en fait tout simplement de coffre. 9 items, c'est peut-être pas suffisant. Quoique. Ça s'appelle laboratory. Bon, ça fait un petit peu, peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un petit peu trop, comment dire. Laboratoire médical, vous savez. On verra bien. Est-ce que j'ai pensé à faire une douche et des chiottes? Telle est la question. Aha! Voici donc ce que j'ai oublié. J'ai la bouffe, mais j'ai pas la douche ni les chiottes. Là, je peux le dire. Et merde! Et je viens seulement de m'en rendre compte. Alors, très peu de choix s'offrent à moi maintenant désormais, chers amis. Soit je réussis tant bien que mal à installer des chiottes dans le coin. Ce qui serait violent. Ce qui serait royalement violent. Et il manquerait toujours la douche derrière. Soit je détruis ce que j'avais prévu de faire au niveau d'ici et je place des chiottes et des douches. Je crois qu'on va partir là-dessus. Ah merde, j'ai cassé un truc qu'il fallait pas. Non. Où es-tu? Ici. Là, hop. Crac. Ouais. Alors du coup, ça, je peux l'enlever. Merde, alors. Fais chier. Franchement, fais chier. Bon, bah du coup, il va nous falloir de la ventilation. Il va nous falloir des chiottes aussi. Voilà. Du coup, un instant. Je vais faire un truc. Voilà, chers amis. Alors, hop. On va aller l'emmener là. J'aurais dû le faire depuis le début, de toute façon, hein, mais c'est pas grave. Hop. Je vais le poser genre là, un endroit où il dérangera pas. Et où il ne sera pas aussi loin. Un deuxième sale, chers amis. Donc, out the outpost, pardon. Hop. Outpost terminal, outpost tank. Ouais. Non, toujours pas.
Vais-je le trouver? Non. Cabinet. Oh, cabinet. Toujours pas non plus. Tout simplement. Non. Oh, toilette. Non, 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 non. Ah, mais elles sont bien les toilettes en plus des. Peut-être les trouver. Hein. Sleeping bag, ça c'était cool. Alors. On va les trouver, vous inquiétez pas. Hein. Ah, voilà pourquoi j'avais pensé à ça, outdoor stool. D'accord, mais c'est toujours pas ça. Toujours pas. Guillotine, what? J'ai pris la guillotine juste pour le fun, hein. Je précise. Alors. Carbed. Bathroom, voilà. Ok, oui, bien sûr, en plus, je ne peux pas la placer. Ok. Alors je vais placer la guillotine juste pour voir ce qui se passe quand on. Ah ben on y dort bien! Alors normalement la tête c'est vers le bas, les gars, hein, je précise. Ok. Je vais peut-être pas en mettre autant. Déjà une ce serait pas mal. Une, ce serait pas mal. C'est mes chiottes, merde. Maman, mes chiottes! Je sais pas le faire, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec? Bah, je sais ce qu'on peut mettre avec. Un lavabo. Sink. Bathroom, sink. Nanana. 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 Pourquoi j'en prends 4? C'est débile. D'ailleurs, vu qu'on parle de choses débiles, faisons les choses telles qu'elles sont. Towel. Y'a pas de towel? Merde. S'il y a des poubelles dans ce cas. Oh, cabin stove. Trash. C'est fait trash genre outdoor quoi. Ah, bathroom trash. Trash. Est-ce qu'il y a un truc, un set, tout un set avec bathroom? Ah, bah voilà. Oh, on a oublié ça. On a failli oublier ça, chers amis. Oh là là. Quelle erreur de notre part. La petite et la grosse commission, bien sûr. Mince. Voilà. Ensuite. Voilà. Ensuite. Voilà. Et en dessous. Ah, mince, la poubelle est trop grande. Bon, tant pis, ça va me souffler dans la gueule, mais c'est pas grave. Ah non, c'est nul que la poubelle soit aussi grande. Faut alors je regarde s'il n'y a pas plus petit. Celle-là a l'air plus petite, mais ça fait vraiment dehors, quoi. Puis bon, ça c'est un peu dégueulasse. Bon bah. Je sais que celle-là, normalement, elle est beaucoup plus petite. Voilà. Hop. Maintenant, les douches. Chawa! On en fait une qui coule ou pas? Ça fera de l'animation.
Steel. Donc ce sera pas ça. Bar. Prison bars. Non. Merde, crédit. What? Qu'est-ce qui est arrivé au chat? Qu'est-ce qui est arrivé à mon chat? Pourquoi est-ce qu'il est à moitié dans le sol? Ah bah ouais, bah t'es coincé. Bah t'as pas l'air fin. Brutit de chat. Alors, essayons là-dedans. Microwave. Est-ce qu'on a pensé à faire apprendre la machine à café? Oui, je crois que oui. Donc ce sera pas là-dedans. Mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas dans style. Frozen peut-être? Pipe fence, voilà. Alors, normalement quelque part là-dedans, on a la douche. Excusez la tenue, je sors de la douche. Alors déjà, il va falloir des drains. Hop. Pour la logique. Voilà. Crac. Alors où est-ce que je l'ai mise la douche? Bla 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 bla. Là voilà. Hop. Et ça coule en plus. Si c'est pas génial ça. Lumière. Voilà. Ok. Au niveau des blocks. Oups. Ça donne pas ce que je veux, ça. Ok. Non plus. Bah si, je sais ce que je vais mettre comme dehors, comme porte. Est-ce que j'en ai encore sur moi, cela dit? Non. Alors. Ah bon, blablabla, voilà. Sliding. Ah bon? Ah oui, c'est parce que je fais une faute. Alors, la grise. Ou simplement celle-là. Non, non, celle-là. Une vraie porte quand même, merde. C'est quand même ma douche. Hop. Hop. Alors. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter de ce côté-là? Est-ce que c'est chaud en fait à rajouter? Si, je sais. On l'a vu tout à l'heure en plus. Alors, déjà, il va falloir que j'ajoute des. Non, justement. Non, non. Pas d'indicateur de présence. Ils ont pas à savoir quand je suis dans la douche. Ok. Je disais donc, voilà. Descends! Descends. C'est bon. Alors, je sais exactement ce que je cherche, encore faut-il le trouver. C'est là que je suis en train de me dire que j'ai peut-être perdu du temps à descendre en fait. Voilà. J'ai oublié un mot en anglais. Il n'y en a pas. Pourquoi pas, tant pis. Forcément, il va en falloir un aussi ici. Ah bon? Ah oui, c'est que dans les trucs. Je suis con. Donc du coup, je retente. Leech bucket, pourquoi pas.
récolte de qui? Forcément. Il nous en faut forcément un. Hop. La question est, est-ce que je pourrais le poser par exemple là-dessus? Non, même pas. Tant pis. Donc, ça nous fait un petit truc ici. Et du coup, est-ce que je vais pouvoir mettre le saut là? Non, le saut est balèze. Vous savez quoi? Je vais mettre juste ça. Est-ce que je peux poser dessus? Non. Et ça là. Hop, voilà. Le bucket, il ira se faire foutre. Ok, j'évite ça la prochaine fois. Voilà. Donc je peux aller prendre ma douche et ensuite m'habiller correctement après derrière. Niveau de la lumière, c'est nul à chier. Soit j'en mets une au milieu, voilà, comme ça. Et là, je peux en mettre une ici, ça marchera tout aussi bien. Là, c'est juste une question de positionnement, hein. Hop. De ce côté-là, j'en mettrai une aussi ici. Vous allez comprendre pourquoi. Comme ça, où normalement que je sois. Ah merde, j'allais dire où que je sois, mais presque. Si je suis en train de pisser, en fait, j'ai plus de lumière. J'aurais plus d'emplace. Je pourrais plus viser, tout simplement. Eh ben écoutez, je pourrais plus viser, tant pis. Hop, bon, bah ça nous fait des douches. Alors là, par contre, il nous manque des choses en haut, donc je pense qu'on va prendre des choses qui s'appellent des pipes. Pipes bed, pas. Ah oui, alors j'ai mis au pluriel, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Eevee pipe. Bah écoutez, on va prendre des grosses pipes, pas les petites, pas les steampunk. Ça fait peut-être un petit peu gros quand même. Ah, puis ça tourne pas en plus. Ah si, c'est bon. Ok. Voilà. Bon, c'est pas très très joli, je reconnais que c'est pas très très élégant. Mais c'est des chiottes, hein, merde. Oui, c'est des chiottes, merde, j'ai bien compris ma blague, moisi. Ok. Bon, bah, il nous reste plus grand chose à faire dans ce vaisseau. Il nous reste, je crois, deux pièces. Hein. Donc, celle-ci... Enfin, trois pièces au total, même. Celle-ci et l'autre. Je vais quand même aller récupérer, je suis stupide de partir sans d'ailleurs. Hop. Le sel que j'avais posé ici. Merci. Donc il nous faut encore faire le cockpit. Alors moi faut que je regarde sur mon téléphone parce que j'avais fait une note sur un bout de papier mais que j'ai dû mettre à la poubelle. Donc, enfin je savais que j'allais finir par le mettre à la poubelle du coup. J'avais préparé mon coup. Alors, en l'occurrence, il nous reste donc ici. Cette pièce-ci, en tout cas, qui sera elle. Alors attendez, je trouve. Ah non, je trouve plus. Ah, il faut que je remonte assez loin, c'est vrai. Hop, voilà. Cette pièce-là qui sera en 6, la salle commune. Et la salle donc suivante, la salle où on atterrit donc de l'autre côté, qui sera une zone de fret. C'est-à-dire que c'est là que je mettrai les choses, entre guillemets, dont je n'aurai pas besoin. Et qui, elles, donc, seront prêtes à ranger, en fait. Il faudra aller les ranger ensuite. Donc, c'est la zone de pré-triage, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, le cockpit. Donc, voilà, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Bah, t'as fini par t'en sortir, toi, du coup. Cool. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous trouverez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yo. Le petit lag juste avant pour la fin, c'est cool.